J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous fais un petit haul noz. Bah non, je voulais vous le refaire dans ma voiture, mais bon, voilà, je crois que je fais griffer sombre dans la bagnole et tout. Et puis bon, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va aller. J'ai mis mes nouvelles lunettes de soleil que j'ai eues chez Acuitis. C'est un petit opticien qui est à côté de chez moi, qui est vraiment très 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 sympa. D'accord. C'est la rentrée là. Je suis en week-end, donc je sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo, mais il fallait que je vous poste parce que j'ai été faire un petit tour chez nous entre midi et 2 de mon boulot. Merci pour tous vos messages de soutien. J'ai disparu un petit peu d'Instagram parce que je traverse une phase difficile au boulot. Mais je vais pas vous mentir, c'est extrêmement dur en ce moment. Je suis en conflit permanent avec mon patron, donc du coup, voilà, c'est difficile. Je cherche une solution pour partir de là-bas. Solution que je n'ai pas encore trouvée, que j'espère trouver. Donc si vous avez des conseils, ben, je suis preneuse. Je suis en CDD, donc on ne peut pas faire de rupture de contrat parce que j'ai pas le droit au chômage après. Je peux pas faire l'abandon de poste parce que c'est un CDD et lui risque de se retourner contre moi. Je sais pas. Donc c'est assez compliqué en ce moment. Mais bon, comme ça c'est la vie, je pense que c'est dans tous les travails, un peu partout pareil. Mais moi j'avoue qu'en ce moment j'ai énormément de mal. Donc voilà, merci quand même pour tous vos petits messages. Je porte mes petits bijoux aux récréations, donc je continue malgré tout. J'ai eu une petite baisse de régime, j'ai dû envoyer quelques commandes en retard parce que j'avais vraiment pas le cœur à les faire. Je rentre chez moi, voilà, je suis tellement fatiguée, tellement usée par la journée que j'ai qu'une envie, c'est de dormir quoi. Donc, mais bon, j'ai refait petit bracelet Octobre Rose. N'hésitez pas à soutenir l'association cancer du sein.org. Je vous mets le lien en barre d'information. Donc, tous ces petits bracelets, tous les petits bijoux, j'ai fait celui-ci et celui-ci avec une petite ficelle rose. Sont vendus à 7 euros, 1 euro au profit de l'association. Petit bracelet comme ça, avec petite perle grise. Petite boucle d'oreille cœur et nacre. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon Insta bijoux comme j'appelle ça, Aura Création, et puis à faire un petit tour sur la boutique. Merci pour toutes vos commandes. Et un petit partenariat parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, vu qu'il est là. J'ai reçu ce petit mascara gratuitement de chez Bourjois. C'est le Big Lashes. Oh oui, je vous montre ce que ça donne. J'ai enlevé mes lunettes. Le soleil du coup il est parti. Donc j'ai laissé la frange, elle me gêne, c'est juste une horreur. Donc voilà, petit mascara, très sympa. Extreme Buildable Volume. À démaquiller, c'est un peu galère quand même. Donc j'ai acheté un démaquillant waterproof. Brosse en silicone, poil court, très sympa. Rien à dire, sans trop rien. Voilà, Bourjois, c'est une marque que j'utilise depuis très longtemps. Je crois même que mon premier fard à paupières, c'est un rose bonbon, je me rappelle. Je l'avais acheté à Nouvelle Galerie. Bon, maintenant, ça s'appelle plus Nouvelle Galerie, c'est Galerie Lafayette. Ça s'ouvrait comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez. Il était magnifique. Il avait une couleur rose qui était... Et c'était du Bourjois. Donc, c'est une marque quand même qui existe depuis assez longtemps. Donc, c'est la couleur 1, la couleur black. Je vais remettre ça. Je vous mets le lien du petit produit en barre d'information. Et merci, et merci, et merci Bourjois. On passe à mon haul de chez Noz. Donc j'étais vite fait chercher quelques petites affaires, rien de foufou parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je suis tombée en extase devant cette paire de bottes que j'ai payé 12,99€ au lieu de je ne sais pas combien. Je sais pas, je sais pas du tout. C'est de la marque Wade, W-E-I-D-E. Voilà, et c'est une taille 37, et c'est rare que chez Noz j'arrive à trouver des tailles 37, parce que moi je taille petit quand même, et de cette couleur là j'en avais pas. Je les trouve juste super belles, elles sont super légères. On va voir ce que ça donne, je posterai peut-être des photos sur Instagram. J'ai trouvé ce gel douche, double, oh non, attends, c'est une blague, oh putain. Moi qui pensais que c'était... en plus, c'est débile, c'est écrit tout en portugais. J'étais tellement contente de le trouver, en fait. Je pensais que c'était du gel douche. Mais en fait, c'est pas du gel douche. C'est de la lotion pour le corps. Moi, j'ai du mal avec la lotion pour le corps. Donc voilà. L'océan corporal. Bah ouais, c'est bien écrit ici. Lotion corporelle. Donc voilà, je sais plus combien j'ai payé ça. 1,99€, pas très cher. On va voir si j'arrive à l'utiliser ou pas. Donc c'est du gel pour les mains, c'est du savon liquide pour les mains à 99 centimes. Star Wars R2-D2. Et moi j'avais pas fait gaffe qu'en fait le bazar il faisait du bruit quoi. C'est arrivé à la caisse, c'est une dame qui dit à mon fils à côté, il dit appuie sur la tête. Donc il appuie sur la tête et du coup bah, il fait du bruit. Donc ça, ça va beaucoup amuser Cillian. Va falloir la nuit je le planque parce que sinon il va se déclencher. Je sais même pas quelle odeur tu as. Oh, c'est une odeur de citron. Fort hein, quand même hein.
Donc voilà, un petit gel liquide pour la main Star Wars. J'ai pris pour les petits... les petits granola bar extra cookies. Il y en a 6, je ne sais pas combien j'ai payé ça. Et j'ai pris d'ailleurs, il a déjà été entamé comme vous pouvez le voir, 1,39€ des petites barres de chez Petits Écoliers. J'ai pris, ah oui ça j'en avais extrêmement besoin, donc je l'ai tout de suite utilisé, c'est des petits gants. Des petits gants pour faire le ménage, la vaisselle, tout ça, à 60 centimes et c'est une taille, je pense... Moi c'est, elles me vont donc, pequeña, mediana, je sais pas. Faut payer bien sa chère. Non, j'ai besoin. Je fais tout avec des gants. C'est pas possible autrement. Sinon, j'ai des crevasses au milieu. J'ai les mains super fragiles. Bon, en même temps, je mets jamais de crème. La crème pour les mains, c'est pas quelque chose qui me passionne. J'ai pris des petites serviettes hygiéniques 80 centimes. En dessus, c'est écrit Aloe Vera. 14 pièces. On verra. J'ai pris. Alors, ça, j'avais posté sur Instagram de la marque Reskimae. Reconstruction of Skin Matrix Face Sérum, j'ai eu ça à 1,99€. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est des cosmétiques innovantes qui reconstruisent la matrice de la peau. Trois ingrédients actifs, le VRATM, le RSM et le AMC. Donc c'est un concentré antioxydant anti-âge pour la reconstruction de la peau. Ça restaure la fermeté, la douceur et ça rajeunit le... Ouh, ça fait... Il y a du vent. Et ça rajeunit la peau du visage. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas. By Medica. C'est polonais. Mais bon, c'est écrit produit par Medica, 66 avenue des Champs-Élysées à Paris. Donc je ne sais pas si vous avez une idée de combien ça peut coûter. L'emballage est très classe, en fait, ça fait très médicament. Tu vois, ça fait très médicament. Donc, pour 1,99€, j'en ai pris qu'un, parce que comme vous savez que j'ai une peau de merde, je ne peux pas mettre ce que je veux sur ma peau. Nous allons tester. C'est quasi fini. J'ai repris un dentifrice Max White à 1,19€ de la marque Colgate. Il y a que là-bas et chez Action que je les achète parce qu'ils sont vraiment, vraiment pas chers. J'ai pris une petite palette que j'ai trouvée très sympa à 1,39€. Je l'ai pris à cause du petit dégradé de couleurs là, un petit peu bleu, un petit peu rose, un petit peu taupe. J'aime beaucoup, donc ça a l'air d'être hit. Ah, en Made in Taiwan, d'accord. Donc là, si j'arrive à l'ouvrir, ça serait sympathique. Il faut que je vous tourne absolument, peut-être après, je sais pas, ma vidéo concours. Et j'avais promis pour les 10 000 abonnés. Hop, voilà. Et franchement, j'aime beaucoup. Elle est très sympa. J'aime bien. Je tente un peu la pigmentation. Bon, c'est pas de la pigmentation de foufou, mais... Oh, limite, il faut que j'arrive à enlever ça. Ça fait crâne. En plus, chez nous, ils ont toujours l'habitude de coller les étiquettes un peu partout. J'ai repris un masque de la marque Lua. J'en avais trouvé un chez Aldi à 99 centimes. Et ça, c'est Ideal Flash Teint Éclat. Sans parabènes, sans phénoxyéthanol. Masque visage en tissu. À toi, la peau éclatante et lumineuse. Tu laisses poser 20 minutes. Voilà. Moi, je kiffe les masques en tissu. C'est ma vie. Et pour finir, j'ai pris 3 vernis à ongles. Et là, j'ai fait une affaire de la marque OPI, que je trouve très jolie. Donc, c'est les Nail Laker vernis à ongles. Alors, c'est la collection Shatter. Je sais pas si vous connaissez, donc à 1,99€. J'ai pris un petit gris Silver Shatter. C'est quoi? C'est les trucs un peu... je sais plus comment on appelle ça, marbré là. J'ai pris le Super Bass Shatter et j'ai pris le Gold Shatter. Voilà, 99 centimes au PI, super marque. Rien à dire. Voilà, c'était tout pour mon petit haul de chez Noz. J'espère que vous l'avez apprécié. J'ai quand même vérifié, j'ai mon ticket de caisse, savoir si les pompes, je les ai bien payées 12 balles. Ouais, c'est ça, 12 euros. Ah oui, puis il y avait une pop. J'avais acheté une pop pour Sean à 7,99€ déjà dans sa chambre. Donc voilà, des petites bricolettes. J'essaye tant bien que mal de vous poster des vidéos sur YouTube, c'est pas évident. Comme je vous ai dit, mais je vais trouver une solution, hein. Je vais rebondir. Hein. Je vais faire comme R2D2, je vais pas fermer ma gueule en fait. Je pense que c'est ça le gros problème, c'est que moi je suis qui je suis. Je vais pas changer pour quelqu'un, je vais pas changer pour un boulot, ça c'est clair. Et donc voilà, après c'est tout. Hein. Je rebondirai, je trouverai autre chose. Hein. Ça,
Ça, j'en ai aucun doute. Voilà, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma petite boutique de bijoux sur Etsy. Au revoir, création. Bye.